Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, amis et connaissances, parents, nous assistons là à l'arrivée de la table d'honneur. Je vais vous demander de vous mettre debout et d'ovationner ces personnalités qui ont accepté de se joindre à nous pour cette cérémonie particulière. Merci de nous tenir debout et d'ovationner très fort la rentrée de la table d'honneur. C'est très timide, hein? Voilà. Merci à vous. Et pendant que la table d'honneur s'installe, nous allons demander à l'orchestre Kitoko Malamu de continuer à jurer ce temps mort. Kitoko Malamu. Et père de famille, il est sorti de son domicile un 21 octobre autour de 15 heures pour ne plus y revenir. Oui, ce jour-là, la douleur était grande, la peine immense, les pleurs très émotifs et le verbe absent pour traduire ce qui venait de nous arriver. Oui, le malheur venait de s'abattre sur le front populaire ivoirien, sur la famille, sur ses amis et sur toute la Côte d'Ivoire. Ce jour-là, cette même résidence était bondée de monde au visage patibulaire venu prendre leur part de deuil. Aujourd'hui, nous sommes là pour conjurer le mauvais sort, pour la levée de deuil qui nous avait étreints dans la douleur et la peine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers parents, amis et connaissances, merci d'être venus. Merci d'avoir répondu massivement à l'appel de la veuve et des enfants et aussi de la famille. Pour traduire ces remerciements de façon vive et souhaiter la bienvenue aux uns aux autres, nous allons appeler ici M. Saint-Aubert au nom de la famille pour le mot de bienvenue. Je vous demande de recevoir ici avec la complicité de vos applaudissements. Bonsoir à toi, maître de cérémonie. Je n'ai plus grand chose à dire après les quelques mots que tu as introduits. En ce moment précis, le mot merci, c'est ce mot-là qui nous vient sur les lèvres. Madame Gossio et les enfants sont vraiment heureux de vous voir si nombreux, habillés de blanc. Parce que, en ce moment, le deuil est fini. Dans cette résidence, nous avons pleuré. Nous étions déchirés. Nos cœurs étaient meurtris. Dieu a fait son œuvre. Il a pansé nos blessures et en ce jour, c'est non pas la joie de ce que, parce que Marcel est quand même parti, mais nous n'avons plus de tristesse.
il n'est plus besoin d'être triste. Tout ce que je pourrais demander, c'est que pour Hortense et pour les enfants, la même amitié que nous tous avons eue pour Marcel, conservons cette amitié pour les enfants et pour Hortense. Et le bénir toujours, partager sa résidence lorsque on aura envie de la saluer. Bayala, j'ai dit merci à tous d'être venus si nombreux et c'est le mot de bienvenue que je voudrais adresser à tout le monde au nom de Hortense Gossiot et de ses enfants. Merci encore à tous. Merci. Merci, merci à M. Saint-Robert pour ces mots pleins de chaleur. Et il a parlé de fin du deuil, mais il est important que nous marquions de façon particulière et symbolique la cérémonie qui nous rassemble ce jour. Et c'est pour cela que je vais demander à Madame Dojanette qui va venir de façon symbolique pour cette cérémonie traditionnelle qui marque de façon définitive la fin du deuil. Cette cérémonie consistera à lui remettre un vêtement blanc parce que tout le temps, pendant le deuil, c'était des vêtements noirs. Aujourd'hui, en lui remettant le vêtement blanc, elle ouvre la porte à la lumière, à l'espérance, à la joie. Et cette cérémonie, aussi, j'allais dire, infime que soit-elle, si petite que soit-elle, mais elle revêt un caractère chargé d'émotion eu égard aux recommandations de nos us et coutumes. Nous allons demander à la veuve de se lever et de venir jusqu'ici. Elle va venir jusque-là. Maman. On va faire assez de place. Je demande aux chasseurs d'images de trouver le bon angle. Nous nous étions retrouvés au cimetière de Williams-Lee avec les pères Guy Roland et la communauté religieuse du Sacré-Cœur, la paroisse du Sacré-Cœur du Chieu de Trècheville, pour faire des visites de chapelet, pour confier de façon définitive le repos de l'âme au Seigneur. Pendant que la famille se concerte, pour trouver le porte-parole et mettre en place celui qui portera la voix. Demandez s'il vous plaît. Maman Martine Do, rapidement. Ali, à voir, hein.
La cérémonie qui vient d'avoir lieu aujourd'hui de deuil de M. Marcel Gossio. À pareille circonstance, les grands-parents de Marcel sont venus chez nous à l'ouest normalement tôt le matin. Elle devait faire un plat avec du riz, avec de l'huile rouge pour venir offrir à madame. Mais ils n'ont pas pu. Donc à partir d'aujourd'hui, elle ne doit plus porter le deuil, elle ne doit plus s'habiller en noir, c'est pour lui donner l'ensemble blanc. Ça, c'est la symbolique de la chose. Aujourd'hui, il n'y aura que la joie dans cette maison. Voilà. Yeah.
Cette cérémonie au mal de nos ancêtres parce qu'ils nous assistent, mais également il est important pour nous de confier cette cérémonie au Seigneur Tout-Puissant qui a fait de cette résidence sa demeure, ou du moins cette résidence a toujours été sa demeure. Nous avons été conviés à un repas. Mais bien avant l'ouverture des différents buffets, il est importantissime que le Père Guy Roland vienne pour bénir ces différents mets, marquant ainsi l'ouverture des buffets. Le Père Guy Roland, nous sommes dans la joie, donc je vous sollicite constamment pour vos applaudissements. On reçoit ici maintenant le Père Guy Roland, la chapelle Sacré-Cœur du CHU de Trècheville. On se met debout. On va se mettre debout. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, est venu ici pour partager dans la joie la vie de Marcel en Dieu et aussi fêter la joie dans nos cœurs. Et descend ta bénédiction, Seigneur, sur nos personnes, nos vies, nos activités et ce repas. Renforce nos liens d'amitié et de fraternité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon appétit. Ok. Merci. Le buffet est donc ouvert. Le service va se faire dans la discipline comme nous savons toujours le faire. Et là, nous allons recevoir pour vous et surtout pour Madame Gossio, ce saxophoniste venu d'un pays de l'Afrique de l'Ouest pour prendre part également à cette cérémonie qui traduit la joie désormais. Lui, c'est Liam. Liam, tu vas sortir des méandres de la console technique pour te mettre sur l'estrade pour qu'on puisse apprécier ton art. Merci. Merci d'applaudir encore et encore. Yeah.
Ça s'applaudit, ça. Merci. Voilà.